Salut les filles et les garçons. Alors, les découvertes et favoris de novembre. Ça revient vite, hein? Mais j'adore, moi c'est mes vidéos préférées, donc je suis hyper contente. Alors, je vais commencer par une huile démaquillante, qui est de la même marque, la gelée dont je vous ai parlé l'autre jour, qui est l'huile démaquillante Astalift. Et elle est vachement bien, elle est aussi efficace que la Shuemura, etc. Pourquoi je suis essoufflée comme ça? Ouf, bizarre. Elle a un truc qui pour moi n'est pas un défaut, c'est la même odeur que la gelée, c'est-à-dire qu'elle sent vachement la rose, mais vraiment vraiment une vraie odeur de rose, traditionnelle, réussie et tout, donc si vous détestez l'odeur de rose, fuyez. Elle est tout à fait, elle pique pas les yeux, elle se rince parfaitement, elle a exactement les mêmes qualités que la Shuemura. Je me souviens plus du prix, mais il me semble qu'en prix au litre, ça revient à peu près à la même chose, c'est-à-dire c'est une huile qui est chère, mais de toute façon, d'une manière générale, je trouve que... À part quelques rares exemples, bah, il y avait la Noviderme en pharmacie qui était géniale et qui coûtait que dalle. Sinon, les pas très chères, je les trouve pas géniales en général. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est, vous voyez, il y a un truc comme ça là. Attendez, il faut que ça focus. Vous voyez ce petit machin là qui est sur la pompe. C'est-à-dire que si on veut le transporter, bon, faut pas le perdre évidemment, mais on le remet et du coup ça peut pas pomper tout seul dans la trousse de toilette. Donc pour partir en week-end. Ça peut être pratique. Donc voilà, je voulais la signaler, elle existe, elle est vachement bien, c'est un peu genre, oui c'est fait au Japon, hein, donc voilà, Astalift, vous savez, c'est la marque lancée par Fujifilm, donc c'est des produits un peu, voilà, un peu top machin et tout, donc voilà, moi j'ai pas du tout eu d'allergie, je voulais vous la signaler. Ensuite, est-ce qu'on me voit? Je suis évidemment une fois de plus trop loin de la caméra pour voir l'écran de contrôle. J'ai découvert, l'autre jour j'étais chez Douglas en Allemagne avec Colline, où j'ai eu l'épisode genre Nyx, genre comme ça, et il y avait un rayon pinceau, et je suis tombée sur ce petit pinceau, pinceau à fond de teint, de la marque Barbara Hoffman Professional, qui coûtait la modique somme de 17,85€, il y a des tas de trucs écrits en allemand dessus, donc je ne parle pas allemand, donc je ne m'y risquerai pas, et je l'ai acheté parce que regardez comme il me faisait penser à celui de Shiseido. C'est exactement le même genre, c'est le même principe, vous voyez. Il est foutu pareil, grosso modo, et il est très bien. Donc bah, celui de Shiseido, il coûte quand même 30€ et on le trouve pas du tout partout. Donc pour toutes celles qui sont pas très loin de chez Douglas, allemand, hein, pas le Douglas français, le Douglas français est naze, mais le Douglas allemand est vachement bien, donc ce pinceau est très bien. Pendant que j'étais en Allemagne, je suis allée, sur les conseils de l'une d'entre vous, chez DM, acheter la pudeur camouflage de Alverde. Oui, 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 j'ai acheté un truc bio, de mon propre gré. Parce qu'on me disait, c'est un dupe de la Benefit, de la Powder Flesh de Benefit. Donc non, c'est pas du tout un dupe de la Powder Flesh de Benefit parce qu'elle est blanche. Et la Powder Flesh, elle est un peu rose. En revanche, c'est complètement un dupe de celle de Laura Mercier qui s'appelle Secret Brightener, c'est ça. Parce qu'elle est... j'ai pas envie de l'ouvrir là parce que c'est très mal foutu comme truc. Il n'y a pas de tamis, c'est un peu le bordel. Attendez, je vais essayer quand même... Vous voyez, c'est un peu, voilà, bah c'est bio, quoi, donc voilà, c'est un peu comme ça. Mais elle est un peu irisée, elle est très très fine, pardon. Et donc, si vous avez envie d'une poudre pour le contour de l'œil, puis c'était pas cher, hein, je sais plus combien ça coûtait, voilà, j'arrive pas à la refermer, c'est super. Ça devait coûter, genre, je sais pas, 4-5€, un truc comme ça. Ouais, peut-être plus, mais enfin bon, moins de 10€, de toute façon, c'était pas cher. Si vous voulez une poudre pour le contour de l'œil très fine, qui marque pas les ridules et qui éclaire, parce que pas complètement mat, là le fait que ce soit un tout petit peu nacré, ça renvoie la lumière et du coup ça éclaire le contour de l'œil. Mais ça n'est pas un dupe de la Powder Flesh Benefit, on est bien d'accord. Mais elle est, bon, elle est pas mal, moi je m'en sers pas parce que j'utilise la Powder Flesh, mais elle est pas mal. Voilà, j'ai aussi acheté pendant que j'y étais, parce que Colline disait qu'il était génial et que depuis des mois, Tiffany, dont je regarde beaucoup les vidéos, dit que c'est son anti-cerne préféré. L'anti-cerne, alors là évidemment c'est écrit en allemand vu que je l'ai acheté chez DM, mais c'est un truc Maybelline, il me semble, hein, que c'est Maybelline, oui c'est Maybelline, c'est l'anti-cerne qui a un petit machin, vous voyez, un truc en mousse absolument dégueulasse là en haut, et en fait je voulais pas l'acheter à cause de ça parce que je trouvais ça dégueulasse et j'avais raison, c'est dégueulasse. Alors voilà, donc c'est problématique ce produit, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Hein, on peut pas en plus, en fait faudra arriver à enlever l'espèce de dessus là pour récupérer juste le produit lui-même parce que le produit est très bien. C'est-à-dire que c'est exactement le même genre que le Fit Me de Maybelline, c'est-à-dire texture très fine, mais super bonne couvrance. Mais alors ce truc-là, mais c'est dégueulasse, quoi. C'est pas du tout pratique, ça étale pas bien. Moi j'en suis à... je tourne, je récupère dans mes doigts, enfin bon bref, donc je ne m'en sers pas parce que c'est pas pratique. Et puis ça fait vraiment crado, moi j'aime quand les packagings sont propres.
Donc voilà, c'est pas du tout mon truc, mais je reconnais que le produit lui-même, hein, le fluide lui-même est vachement bien. À la fois fluide et couvrant, vraiment top. Donc bah si vous en foutez que ce soit un peu plus, on peut pas le laver ce truc-là. Imaginez, c'est dégueulasse. Genre vous en servez pendant une semaine, imaginez comment il vient, bah il vient comme ça, et après ça vous pouvez pas le laver. Bah super, merci. Donc si vous en foutez, allez-y, parce que très bon produit, en revanche sinon, enfin voilà, moi je pas le garde, enfin je peux rien en faire quoi. Mais, enfin bon bref, mais il est bien, mais le packaging est nul, mais le produit, bon bref. Ça y passé la nuit. J'ai ressorti mon fond de teint Deauville, de Nars, que je porte aujourd'hui, qui est quand même vraiment bien quoi. C'est le Sheer Glow, ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé. En fait, est-ce que j'ai utilisé le Santa Fe cet été? Non, parce que j'étais avec mes Dior beaucoup. Parce qu'en général, j'ai le Santa Fe l'été et le Deauville l'hiver. Encore que le Deauville, là, justement, j'ai mis un peu de... Pourquoi je suis essoufflée comme ça? C'est bizarre. Parce que je suis à côté des plantes qui prennent mon oxygène. J'ai mis un peu de bronzer là par-dessus parce que c'était un peu... Ouf, j'étais un peu cadavérique, quoi. Il est encore un peu clair pour moi. Je suis encore pas complètement entre deux teintes, mais je suis pas complètement à ma teinte d'hiver. Mais il est vraiment beau, quoi, ce fond de teint. Il est satiné, il est à la fois couvrant, satiné, lumineux. Enfin, voilà. On ne le présente plus depuis tant que je l'adore. Voilà, mais enfin bon, comme je l'ai ressorti, je voulais vous le signaler. En blush, bah écoutez, je suis navrée, hein, je n'ai rien à vous raconter. Je suis toujours avec mon Tipsy de Tarte. Voilà. J'en ai commandé trois autres, dont je vous parlerai éventuellement, mais je les trouve sans intérêt. Je les ai swatchés, je dis bon, ouais, bon, voilà, c'est des blushs roses, aucun intérêt, rien à voir avec celui-là, qui est juste, voilà, pareil, je le porte aujourd'hui, c'est mon blush préféré sur Terre. Donc je suis toujours avec lui. Un autre produit de teint que j'ai ressorti et que j'adore, c'est mon anti-cerne Hourglass, qui est dans la couleur, je sais pas quoi, mais je vous noterai ça, Hidden Pearl, qui est un tout petit peu rose pour moi, mais c'est pas très grave, ça passe quand même. Il est moins jaune que celui de Benaille que j'utilise. Il est génial cet anti-cerne, c'est vraiment... J'avais oublié, parce qu'il est très clair aussi, donc il fait partie, c'est vraiment mes produits d'hiver, donc je l'avais pas utilisé depuis très longtemps, mais il est... Mais là c'est pareil, j'en ai mis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est très épais et très couvrant, tout en n'étant pas du tout pâteux, pas du tout se mettre dans les rides, et c'est vachement étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'il accroche complètement la peau, il masque hyper bien et tout, et en même temps, il fait pas du tout cakey, quoi. Il est... Alors, je sais plus où j'avais trouvé le mien. Peut-être chez Guru Makeup Emporium, ou un truc de ce genre, un site de vente en ligne anglais, parce que ça, peut-être c'est une marque anglaise, Hourglass, c'est possible. J'essaierai de retrouver ça, et je vous le mettrai dans la liste des produits, mais vraiment... Alors, il n'y a pas 40 millions de teintes, hein, mais quand même, il est cher, hein. Je sais plus, ça coûte au moins 30 euros. Hein. C'est vraiment un produit super cher, mais alors, dément quoi. There. Une grande découverte de ce mois-ci, c'est les produits pour sourcils Make-up Atelier. Make-up Atelier, oh là là! Enfin oui, c'est de la... Non, Atelier du Maquillage, c'est-à-dire l'Atelier du Sourcil a lancé une ligne de maquillage qui s'appelle l'Atelier du Maquillage. Et donc, ils ont plein de produits, donc c'est des produits pour les sourcils exclusivement, hein, bien sûr. Ils ont plein de trucs, dont ces deux trucs-là que j'aime beaucoup, qui sont le crayon et la petite palette. Je vous montre la petite palette. Mignonne comme tout. Hop. En haut, il y a plein de petits outils. C'est-à-dire qu'il y a un pinceau biseauté, un goupillon, une pince à épiler et un mini-gel fixant. Est-ce qu'on voit quelque chose? Essayons d'orienter vers la lumière. Ah, voilà. Là, on voit. Vous voyez? Et à l'étage en dessous, qui sort comme ça, toc, il y a de la cire... Et une poudre. Ici, c'est la teinte taupe, parce que il y a trois teintes. Il y a blond, taupe et brun. Et moi, j'ai demandé taupe, parce que clairement, il me faut vraiment une couleur froide, moi, pour mes sourcils, vous voyez. Et blond, c'était vraiment beaucoup trop jaune pour moi. Et brun, c'est vraiment, je pense, c'est pour les peaux noires plus. Et ce taupe-là, vous voyez, il a l'air vachement foncé, comme ça. Mais en fait, moi, je l'utilise dans mes sourcils, ça marche. Hein. Moi, qui d'habitude utilise que des trucs hyper clairs dans mes sourcils, celui-là fonctionne. Alors évidemment, j'en mets un petit peu moins que les trucs hyper clairs, mais ça fonctionne, et la petite cire est pas mal du tout, pour un peu fixer tout ça ensemble. Donc voilà, ça c'est une découverte, et leur crayon est vachement bien, aussi, parce que, bah déjà c'est un crayon avec un crayon d'un côté, et un goupillon de l'autre. Je vais essayer d'en mettre sur ma main, mais c'est génial parce qu'il est très sec. Vous voyez? Il est très sec et il est un tout petit peu rose, comme beaucoup de crayons à sourcils. C'est très rare de trouver un crayon à sourcils taupe, et froid, qui est pas un peu de rose dedans, mais moi je préfère ça plutôt que du jaune, hein, parce que le jaune dans les sourcils, enfin dans les miens, vu qu'il n'y a pas du tout de jaune dans mes teintes de cheveux et tout ça, ça fait vraiment dégueulasse.
mais il est très sec, donc il tient bien, il se met bien. Le petit goupillon est vachement efficace, il est vraiment très bien ce crayon. Je m'en sers tout le temps en ce moment, depuis que je l'ai. Donc voilà, deux découvertes. Une autre découverte dans les yeux, enfin c'est pas une découverte, mais c'est plutôt un favori. En favori ce mois-ci, mon pinceau Crease Brush, là, ou comment il s'appelle ? Non, Base Shadow Brush de Real Techniques, qui est donc l'alternative aux 217 de MAC. Et jusqu'ici, je continuais avec mes 217. Et puis un jour, je sais plus, j'étais partie 2-3 jours en déplacement, là, quand j'étais à Strasbourg et tout ça, j'avais emmené celui-là, parce qu'il voyage beaucoup mieux, on peut le nettoyer beaucoup plus facilement et tout. Et en fait, il est génial, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment... il est plus agréable qu'un 217, en plus, parce que comme c'est du poil synthétique, il est beaucoup plus doux. Maintenant, je trouve que les 217, ils grattent. Et franchement, mais on peut tout faire avec. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien poser la couleur claire sur la paupière, et ensuite foncer le coin externe, etc. Et en même temps, il estompe. On l'essuie dans un Kleenex, il est quasiment propre, on peut réestomper. Enfin, il est, mais je m'en suis énormément servi ce mois-ci. C'est-à-dire que je devais quasiment me forcer à aller le laver. Parce que bon, au bout d'un moment, il fallait bien le laver, mais j'avais pas envie, parce que ah, je voulais trop m'en servir et tout. Alors Dieu merci, il sèche en quelques heures, donc ça aide, mais... démentiel, grand favori. En grand favori pour les yeux, enfin c'est plutôt une découverte, mais qui est en train de devenir déjà un favori, c'est les fards, comment ils appellent ça, Outrajouce Prismachrome, fards à paupières métalliques scintillants. C'est des fards qui sont nouveaux, et qui sont donc métalliques. Et moi la couleur que j'ai, c'est je sais pas quoi, enfin c'est un genre de rose un peu, un genre de, ce serait gold rose quoi, enfin... or rose, voilà, on va y arriver. C'est ce que j'ai sur les paupières aujourd'hui, et que vous ne voyez pas, parce que voilà, je ne trouve pas ma télécommande, donc je ne peux pas zoomer. Efficacité maximum, une fois de plus. Ça fait rien, je vais vous le montrer sur ma main. Et c'est hyper joli, il me fait penser à Sin d'Urban Decay, en beaucoup plus métallique, mais sinon c'est ce genre de couleur. Attendez, je vais le mettre sur ma main, ce sera plus sympa. Oui, non, on ne voit rien, c'est formidable. Sur mon doigt, ce sera plus efficace, voilà. Vous voyez, c'est ce genre de couleur, comme ça. C'est tellement joli. Là, j'ai que ça sur les yeux. J'en ai mis comme ça. Sur les paupières, j'ai mis du mascara et c'est tout. Et vraiment, j'aimerais bien qu'on le voit un peu sur ma main quand même, parce que c'est tellement joli. Bon, non, on ne voit rien. Enfin, c'est ravissant. Très bon truc. Et il y a, je sais plus, il doit y avoir 4-5 couleurs, un truc comme ça. Bon, allez, j'ai que celle-ci, mais alors c'est le genre de truc, je vais pouvoir le porter comme je porte la Primer Potion d'Urban Decay en Cine. C'est-à-dire quand je la porte sur toute la paupière et que je mets que ça et du mascara pour aller vite et avoir le regard lumineux et faire simple. Et bah ça, c'est le genre de truc que je vais porter pareil. Mais l'autre jour, je l'avais aussi, je sais plus dans quelle vidéo, la vidéo que je vous ai faite sur la petite palette Naked, la nouvelle palette Urban Decay. Ah, j'ai des fourmis dans les jambes. J'étais en tailleur, ça ne va pas du tout. Oh, mon Dieu. La vidéo que je vous ai faite sur la nouvelle palette, nouvelle palette Urban Decay, j'étais maquillée sur la paupière mobile, j'avais ce fard-là. Donc, bah, je vous ferai à l'occasion un maquillage avec, c'est vraiment super joli. Ensuite... j'ai du maquillage partout, c'est très pratique. C'est que j'ai beaucoup plus utilisé que d'habitude ma laque de rouge de Shiseido en portrait, c'est ce que je porte aujourd'hui. Vous voyez, c'est un nude quoi. Qui est tellement joli quoi. Allez, je vous en mets un petit peu sur la main pour que vous voyez. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo Shiseido que j'ai fait récemment. Mais voilà, c'est pareil, on ne va rien voir. Voilà. C'est tellement joli. Vous voyez, c'est. Ça fait un peu nude, en même temps ça donne bonne mine, ça détache pas du tout les lèvres, c'est hyper confortable, enfin vraiment, mais ce truc est génial quoi. Et donc je l'ai un peu tout le temps dans mon sac, ou sur ma table à maquillage, sorti, prêt à servir, avec le deuxième produit. Ah, j'ai vraiment des fourmis dans la jambe droite. Très désagréable. Le deuxième produit lèvres dont je vous ai déjà parlé dans les drugstores I love the... le tag drugstore makeup là, les lip butters de Revlon, mais ce lip butter de Revlon, qui est le crème brûlée, et qui est donc un nude. Pareil, je vais essayer de vous montrer sur ma main ce qu'il donne quand il est... Vous voyez ? Voilà, là on voit sa couleur, ici. Vous voyez, donc il est vraiment... il est vachement clair, il est en même temps un peu pêche. Et donc ça, lui, je l'ai vraiment tout le temps dans mon sac, et il me sert de baume à lèvres, en fait. C'est-à-dire que, voilà, quand je veux remettre du baume à lèvres dans la journée, c'est ça que je mets, et j'aime bien parce que ça atténue la couleur de mes lèvres, comme j'ai les lèvres super pigmentées et que je déteste ça. C'est très bien parce que ça fait un 2-en-1 et ils sont vraiment, c'est des très très bons baumes à lèvres. Et ils ont plein de couleurs, hein. Si vous, votre truc, c'est pas le nude, vous pouvez, ils ont des, genre, des rouges, des oranges, des prunes, des machins un peu comme ça d'automne. Vraiment, mais super bon produit, quoi. Je l'ai pas lâché depuis que je l'ai. Dernière découverte, make-up. J'ai du fard à paupières partout, excusez-moi.
J'ai pas pris de Kleenex pour m'essuyer, évidemment. Vous avez vu ma bague, comme elle est jolie? C'est une bague Forever 21. Century 21. 5,90€, mes enfants, la ruine. Dernière découverte make-up. Ah, le dernier, une dernière favori, plutôt. Bah, j'avais envie que de nude et de rouge noir, ce matin. Donc j'étais un peu avec soit mon rouge noir ici, c'est-à-dire le Wicked, soit le bubble bath d'Opi, qui est tellement joli, quoi. Il est ravissant, ce vernis, parce qu'il est... c'est un rose clair, hein, je veux dire, rien de nouveau sous le soleil. Mais je sais pas, il est super lumineux. Moi, il va très bien avec ma couleur de peau, et comme vous savez, les vernis à ongles nude, c'est comme les rouges à lèvres nude, il faut vraiment que ça aille avec la couleur de peau, et donc, il faut vraiment que chacun doit trouver le sien, c'est très personnel, mais celui-là me va super bien. Donc voilà, ça a deux grands favoris, j'avais envie de trucs super classiques sur les ongles ce mois-ci. Voilà, et j'ai fait une grande découverte, qui est les mini vernis Opi. Et en quoi est-ce une découverte? En dehors du fait que c'est tellement mignon! Eh ben... Ce qui est génial, c'est la taille du pinceau. Parce que quand même, le pinceau Opi, il a beau être pratique, tout ce qu'on veut et tout, moi j'ai des tout petits ongles. Et du coup, attendez, je suis en train de sortir les pinceaux en même temps, en essayant de pas foutre du vernis ongles partout sur le tapis, ce genre de truc. Les pinceaux Opi, pour moi, ils sont un peu... Enfin, ça va sur le pouce et le majeur, quoi, mais sur les autres doigts, c'est large. Et j'ai découvert avec extase que dans les petites bouteilles, il y a des petits pinceaux. Vous voyez? Beaucoup, beaucoup moins large. Et donc ça, pour moi, c'est hyper pratique. Donc c'est un peu le vernis à ongles de week-end, quoi, vous voyez? Non, je déconne, j'arrête avec mes trucs de week-end. Mais bon, c'est bon à savoir, c'est-à-dire que le pinceau, il est pratique, c'est-à-dire qu'il est petit, enfin il est petit, voilà, il est plus fin que les autres, mais il est court et ferme, et du coup il est facile à manier. Et donc c'est bon à savoir, dans les toutes petites bouteilles Opi, il y a des tout petits pinceaux. Et ils auraient pu faire un pinceau plus court pour tenir dans la bouteille, mais large aussi. Mais non, ils ont adapté. Et alors moi j'étais enchantée en découvrant ça. Voilà, donc c'est fini pour le maquillage, toutes mes découvertes, on en est à combien? 81 minutes? Ah non, ça c'est ce qui reste, pardon. 2 minutes 35? Ah non, 17, au nom de Dieu. Faut que j'avance un peu. J'ai découvert une boutique Etsy qui vend des trucs, des cartes postales un peu de Noël. Attendez, je cherche mon truc. Des cartes postales de Noël, et alors c'est un peu vous dire que j'ai un peu pété les plombs et que j'en ai acheté je ne sais combien. Parce qu'ils ont, alors évidemment ma préférée entre toutes, c'est une boutique anglaise. C'est une fille qui est illustratrice et qui fait des tas de cartes postales, pas forcément de Noël, mais enfin moi je les trouve très sympas pour envoyer à cette période ou pour avoir. Regardez ma préférée, c'est un biseau. J'adore tellement ce truc que je l'ai aussi pris en plus grand format et je l'ai aussi pris en sac en coton. Je n'utilise jamais de sac en coton, je trouve le concept complètement débile, mais j'en ai rien à foutre, j'ai pas pu résister, j'adore ce truc quoi. Voilà, c'est un sac tout con, quoi, genre les sacs un peu écolo, je sais pas quoi, là. Et ce bison, mon Dieu, mais j'aime trop, je le voudrais sur un sweatshirt, quoi. Et alors, les cartes, et elles sont tellement jolies, quoi. J'en ai acheté des tonnes. Alors, donc, il y a le bison. Ça, j'adore. Ça aussi, je l'ai acheté en plus grand format. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais j'adore. Il y a des espèces de trucs, vous voyez, c'est un peu comme ça, un peu ésotérique, un peu machin. Et alors, après, il y a des trucs complètement géométriques. Moi, j'adore les trucs géométriques. Plein de différents. Ça, c'est deux fois le même. Je l'ai un peu pompé tout son stock à la fille. Oh, regardez comme c'est joli. C'est un ours. La nuit. La fille complètement débile qui se met à adorer les animaux, machin, tout ça. Enfin, voilà. Donc ça, c'était... ça aussi, c'est une découverte. Quoi, parce que vraiment, j'adore ce que fait cette fille. Je vous mettrai le lien, évidemment, de sa boutique Etsy. Donc, je lui ai acheté des cartes. Elle fait aussi des petits... j'ai pas pu résister. Hein. Elle fait aussi des petits miroirs de poche. Alors j'en ai pris un avec le bison, hein, forcément, obligé. Puis j'en ai pris un autre, regardez celui-là, avec la lune et tout, comme ça. Je trouve ça hyper joli, j'ai pas pu résister, c'est pas très cher, quoi. Puis les cartes, elles sont à 1 livre ou 1,50 livre, et le petit miroir, il devait être à 3 livres, un truc comme ça. Le sac, je me souviens plus. Mais... Donc voilà, ça c'était ma grande découverte du mois aussi. Et ben écoutez, c'est tout. J'avais pas énormément de choses ce mois-ci par rapport à la dernière fois. Enfin bon, en même temps, tant mieux, hein. Sinon la vidéo aurait duré 45 minutes. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.